Bonsoir et merci de suivre le 16h. Il s'est tenu ce matin sous le leadership du maréchal du Tchad et des Ébidnons, le premier conseil ordinaire de ministres du nouveau gouvernement. Un seul point à l'ordre du jour, le compte rendu avec le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mamazine. Un conseil ordinaire des ministres s'est tenu ce jeudi 23 juillet 2020 sous la présidence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du conseil des ministres. Un seul point était inscrit à son ordre du jour, la présentation de nouveaux membres du gouvernement au maréchal Idriss Déby Itno. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, coordonnateur de l'action gouvernementale, a présenté officiellement au chef de l'État les 20 nouveaux membres du gouvernement issus du remaniement intervenu le 14 juillet 2020. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a saisi l'occasion pour exprimer au nom des membres du gouvernement sa profonde gratitude au chef de l'État, aussi bien pour les choix portés sur le nouveau membre que pour le renouvellement de la confiance aux ministres maintenus à leur poste ou mutés à d'autres départements ministériels. Il a indiqué dans son mot de circonstance qu'il résulte de la composition de ce nouveau gouvernement une volonté politique manifeste d'ouverture du gouvernement à la jeunesse, d'une part, et la réaffirmation du principe de la parité progressive concernant les femmes, d'autre part. À cet égard, tout en soulignant la valeur ajoutée et le dynamisme que ces 109 apportent à l'action gouvernementale, il a pris l'engagement au nom de l'ensemble des membres du gouvernement d'accomplir individuellement et collectivement la mission à eux confiée conformément au serment prêté par chacun. Dans cette optique, il a rappelé à tous les membres du gouvernement les principes cardinaux à observer rigoureusement. Il s'agit de la solidarité gouvernementale devant sous-tendre le travail d'équipe et la cohésion, la loyauté à l'égard du pays et de celui qui l'incarne, à savoir le président de la République, l'obligation de réserve et la probité et le respect de la chose publique. Insistant sur le respect absolu des principes ci-dessus rappelés, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a appelé les membres du gouvernement à proscrire tout agenda personnel et tout conflit d'intérêt avec les affaires de l'État qui ne se traite ni dans la rue, ni dans les journaux, moins encore sur les réseaux sociaux. Par ailleurs, tout en rappelant le nombreux défis à relever, y compris les élections à venir, il a instamment demandé à tous les membres du gouvernement de se mettre résolument au travail avec une obligation de résultat en assumant pleinement leurs responsabilités. Pour conclure son mot de circonstance, il a réitéré l'engagement de tous les membres du gouvernement à accompagner le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dans la mise en œuvre de son programme politique et lui a adressé les vives félicitations des membres du gouvernement pour son élévation à la dignité de maréchal du Tchad, largement mérité. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, s'adressant aux membres du gouvernement, après les avoir félicités, a indiqué que la République a fait appel à eux, parmi tant d'autres Tchadiens, compétents et pétris de valeurs intrinsèques, pour accomplir une mission au service du peuple. Dans la perspective des élections prochaines, prévu dans moins de 10 mois, le chef de l'État a souligné l'obligation du gouvernement de tenir les promesses faites lors de la dernière présidentielle dont les populations attendent légitimement
la concrétisation, notamment en ce qui concerne le projet phare dans les domaines prioritaires comme la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage, l'eau, l'énergie, les infrastructures, les technologies de l'information et de la communication. À cet égard, il a souligné de façon toute particulière la portée des attentes des femmes et des jeunes qui sont les premières forces du développement en raison de leur poids démographique et de leur potentiel productif. Au regard des immenses attentes et des contraintes de temps, il a insisté sur les gages de confiance et d'assurance à donner à la population malgré la crise économique et financière ayant drastiquement réduit les ressources de l'État. Dans cette perspective, tout en relevant l'immensité de la tâche du gouvernement, le chef de l'État a estimé que l'ossature de la nouvelle équipe, composée de nombreux jeunes et de femmes, est un indice qui incite à l'optimisme. À cet égard, tout en soulignant la vitalité, le sang frais et l'énergie revigorante que regorgent les jeunes appelés au gouvernement, il a indiqué qu'il revient à ces jeunes ministres de prouver que le choix porté sur eux n'est pas une erreur. De même, le chef de l'État a demandé aux femmes appelées au gouvernement, dont le nombre répond parfaitement à la promesse de la parité progressive, de montrer toute leur finesse et leur efficacité dans l'action gouvernementale. Tout en soulignant l'obligation de chacune et chacun des membres du gouvernement à jouer pleinement sa partition dans son domaine de compétences, dans la solidarité, la complicité et la synergie, sous la coordination du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence, le chef de l'État a dit qu'aucune fausse note ne sera tolérée et que le cabinet civil veillera à l'évaluation avec vigilance de la mise en œuvre de son programme de développement économique, social et culturel. Dans cette optique, le chef de l'État a insisté sur la cohésion gouvernementale et la nécessité d'un investissement collectif en donnant les orientations suivantes. Le rendement, l'efficacité de l'action gouvernementale et l'obligation de résultats comme un impératif catégorique. La présence sur le terrain au contact des populations et des réalités du pays profond en bannissant les pratiques bureaucratiques. La gestion orthodoxe et rigoureuse des ressources financières en faisant preuve d'un sens élevé de responsabilité en évitant de signer des contrats fantaisistes et en limitant les missions improductives à l'extérieur. La lutte contre la corruption en s'inscrivant dans la logique de servir le pays et non se servir. La gestion optimale des ressources humaines dans l'équité, la justice, la prise en compte du genre, du bilinguisme et des réalités du pays dans sa diversité en proscrivant définitivement les nominations basées sur le copinage, le clientélisme, le népotisme et le favoritisme. Et enfin, la visibilité de l'action gouvernementale à travers une bonne et cohérente communication de chaque département sur ses activités et ses réalisations au profit des populations. Pour conclure son propos, le chef de l'État, tout en invitant les membres du gouvernement à s'armer de courage et d'abnégation pour affronter les épreuves et les défis liés à l'action gouvernementale, leur a souhaité plein succès dans leur mission. Commencé à 10h, le Conseil ordinaire de ministres a pris fin à 10h30. Trois nouveaux membres du gouvernement nommés le 14 juillet 2020, le secrétaire général adjoint de la présidence de la République nommé ce 22 juillet, ont prêté serment ce matin devant la Cour suprême en présence du maréchal du Tchad, Idrissi Bidno, le président de l'Assemblée nationale, Haroun Kabadi, et quelques proches collaborateurs du maréchal du Tchad ont également assisté à la cérémonie solennelle de prestation de serment. Nassour Neviti. Omar Torbo Djarma, 46 ans, ministre du pétrole et des mines, ingénieur d'État en exploitation des hydrocarbures, formé en Algérie. Ahmed Abakar Adjit, ministre des infrastructures et des transports, ingénieur en construction civile, urbaine et industrielle, moulé en Ukraine, en ex-Union soviétique,
Docteur Abderrahim Younous, la cinquantaine révolue, secrétaire d'État à l'économie, à la planification du développement et à la coopération internationale, ancien chercheur, titulaire d'un doctorat en économie obtenu en Égypte, et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Ahmed Omar Ahmed, 43 ans, titulaire d'un master 1 et 2, respectivement en journalisme et en histoire contemporaine du Tchad, décroché au Tchad et en Égypte, se sont conformés ce 23 juillet 2020 à la loi fondamentale et à l'ordonnance 03 du 24 mai 2018 en prêtant serment devant la Cour suprême. C'est en présence, bien évidemment, du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Moi, Ahmed Abakar Ajid, je jure au nom d'Allah, le Tout-Puissant, d'être loyal dans mon travail. De ne pas trahir la nation et le peuple, de ne pas détourner les deniers publics, de ne pas dévoiler les secrets d'État et de respecter les engagements contenus dans la charte déontologique. Bien avant le serment confessionnel, le président de la Cour suprême, Samir Adam An-Nour, a invité le greffier Togia Allah Nujutolum à lire les décrets nommant les membres du gouvernement et le secrétaire général adjoint de la présidence de la République avant de donner la parole au procureur général près la Cour suprême pour ses réquisitions aux fins de prestations de serment. En vous appelant à ses côtés, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, président du Conseil supérieur de la magistrature, place ainsi en vous sa confiance, comptant sur votre probité ainsi que votre sens élevé de responsabilité en vue de la consolidation de notre démocratie. Sachez mériter cette confiance. Mbaye Guédoum, Kémia, a engagé les récipiendaires à mériter la confiance placée en eux. Le président de la Cour suprême, Samir Adam An-Nour, reprend la parole et prononce la formule consacrée mettant un terme à la séance. La Cour donne acte au greffier en chef de la lecture des actes de nomination des récipiendaires, au procureur général de ses réquisitions, à Monsieur le ministre et Monsieur le secrétaire général adjoint de la présidence de la République du serment qu'ils viennent de prêter et les renvoie à l'exercice de leurs fonctions. Dit que de tout, il sera dressé procès verbal qui sera classé au rang des minutes du greffe de la Cour suprême. Le rôle étant épuisé, l'audience est levée. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, a félicité les récipiendaires tout en leur souhaitant courage et plein succès dans leurs fonctions. C'est tout pour ces heures. Merci de votre fidélité.